Hey, salut à tous, c'est Shadow Nightmare et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui a mis un peu beaucoup de temps à sortir simplement parce que l'enregistrement audio a un peu bugué, enfin bref. Mis à part ça, on se retrouve quand même sur ce petit jeu assez sympatoche du Xbox Live Arcade qui se prénomme Bastion, que vous avez sûrement peut-être dû entendre beaucoup parler parce que franchement il est purement excellent, très joli. Donc vous allez voir ça durant cette petite vidéo. Normalement ça devait sortir il y a un petit moment, mais bon, voilà, je sais pas pourquoi en fait le son a bugué. Et du coup j'ai gardé la vidéo et je me suis dit je ferai un commentary dessus plus tard. Donc voilà, donc aujourd'hui je fais ce commentary. Donc là, menu principal comme à peu près tout jeu arcade, hein, avec toutes les options qu'il y a, l'histoire, les options, classement, succès, blablabla. Et après nous avons trois modes, et moi simplement, bon là je ferai continuer, mais de base j'ai choisi le mode normal. Après le mode sans souci, je pense que c'est un peu le mode facile, mais enfin bref. Donc Bastion c'est un petit jeu assez sympa en vue aérienne. Alors au début c'est un petit peu spécial, moi je suis pas très fanat des vues aériennes, un peu comme les jeux comme Dofus ou enfin autres quoi, il y en a plein qui sont comme ça, notamment les jeux de stratégie, etc. C'est un jeu narré, je sais pas si on dit narré, mais normalement oui. En gros il est raconté par un narrateur. Moi je suis pas fan des films ou des jeux comme ça. Et bah là franchement si, j'ai bien aimé, ça passe, ça raconte les faits et gestes, franchement j'ai bien aimé. Là les choses que j'active en fait c'est des choses qu'on récupère d'un certain niveau, il y a plusieurs trucs. Là ce qu'il est en train d'indiquer, le saut, je sais plus quoi, le lit, c'est une mission annexe, secondaire, un contenu téléchargeable, pardon, je vais y arriver, que j'ai acheté, il n'est pas vraiment cher. Moi j'ai acheté par exemple Bastion quand il était en promo, je crois qu'il était à 4,99€, comme ça. Je sais pas si c'est cher ou quoi que ce soit, mais je sais que de base il est à 15 sur le Xbox Live, enfin 14,99€, donc là je me suis dit bon, c'est vraiment pas cher. Là ce que je suis en train de faire en fait, si vous voulez, pendant les quêtes, nous récupérons des objets que nous devons montrer, enfin vous n'êtes pas obligé, c'est plus sympa, de montrer à la fille, je sais plus comment ça s'appelle, Zara, et au narrateur en fait, qui est le petit vieux qui est là-haut, je sais plus son nom, mais on verra très bien quand j'irai lui parler. Et alors là, nous sommes au Bastion, le nom, en fait le Bastion est une sorte de, comment dire ça, de quartier général, enfin de lieu, en gros, qui est sécurisé par rapport au reste du monde. Et pour voyager, je sais plus si je vais le montrer plus tard dans la vidéo, enfin bref, nous utilisons alors je sais plus, c'est un nom spécial, mais enfin bref, quelque chose qui permet, alors là je vais quitter parce que simplement en fait j'ai lancé le DLC alors que je voulais pas, et le DLC se passe comme une arène dans certains jeux. En fait vous avez des vagues d'ennemis et le but est de tenir jusqu'à la fin sans avoir le droit de prendre de vie, etc. Sauf en tuant des ennemis, vous avez le droit de choper de la vie, enfin bref. C'est une sorte d'arène comme pas mal de jeux qui existent déjà. Donc pour en revenir aux moyens de transport, en fait c'est une sorte de je sais plus, je crois que c'est, de toute façon quand on va aller dessus vous verrez bien, je vous dirai. Alors là les bâtiments que vous voyez à droite avec les icônes dessus, c'est des bâtiments qu'on peut construire au fur et à mesure du jeu, qui nous permettent en fait de soit réparer nos armures, etc. Alors il y a les objets trouvés qui servent de marchand, il y a le forgeron qui sert à réparer les armes. Là par exemple ce que je viens de faire en fait, je crois que c'est l'église ou je sais plus quoi, qui permet en fait de confirmer des quêtes secondaires, donc des objectifs, le mémorial, voilà, pas le sanctuaire, le mémorial, qui permet de confirmer des objectifs et donc gagner des points. Ces points seront débloquables plus tard. Là c'est l'hôtel, si je ne dis pas de bêtises, qui en fait va augmenter la difficulté quand vous allez le temple, voilà. Oh, je me trompe surtout. Le temple en fait va vous permettre d'augmenter la difficulté du jeu. Plus de dieux seront activés. Par exemple, tel dieu va augmenter l'armure des ennemis, enfin bref. Ça va permettre ça et vous aurez plus de mal à les battre et donc plus d'expérience gagnée en fonction du nombre de dieux d'activés. Ce que j'ai fait là, le marchandage, c'était bon, comme je vous disais tout à l'heure, acheter des objets. Là, nous sommes dans l'arsenal qui permet de nous équiper. On a le droit à 3 armes, ou plutôt 2 armes et une arme je sais pas trop comment, on va dire une arme spéciale, entre guillemets. Donc vous avez le droit, peu importe les armes, hein, vous pouvez très bien prendre 2 armes qui tirent au loin, ou alors 2 armes qui tirent au près. Moi, personnellement, je préfère avoir une arme qui tire au loin
et une arme de corps à corps. Là, je le ferai pas parce que j'avais un succès, je crois, à faire No ou un truc matter comme ça, what he's donc c'est gonna pour ça que j'ai face pris out plusieurs there, trucs. it'll Et burn. je garde la grenade qui est assez sympa. Là, il y a la forge, donc ce que je vous disais, qui en fait ne sert pas à réparer, mais à améliorer vos armes grâce aux objets que vous récupérez soit au marchand, là-haut à droite. Enfin, moi je l'ai mis là-haut à droite, mais c'est à vous de vous faites comme vous voulez, soit dans les quêtes, enfin dans les missions, et ces deux objets secondaires que vous trouvez un peu partout, qui vous permettront d'améliorer vos armes. Je crois qu'il y a 3 ou 4, de toute façon je pense qu'on va voir ça, 4 niveaux d'amélioration. Voilà, il y en a 5 même, 5. Et First step to learn of the ces Calamity Cannon niveaux-là sont is knowing about the débloquables vu de la, machinery vu, overheads. on recommence, via les points que vous avez en haut à droite. Et donc là j'avais succès déverrouillé The parce qu'en sail fait hand is j'avais only as au strong moins as a amélioré un spine. niveau sur chaque arme. That's a Donc strong voilà, spine. tout ce que vous voyez en fait, His chaque bow's looking lean carré, and enfin mean chaque like a objet prize fighter. correspond à une arme. Tel objet va pouvoir nous permettre d'améliorer, etc. Donc là bon j'avais amélioré à peu près tout. Et le dernier truc, si je me rappelle bien, c'est pour les potions. La distillerie qui sert pour les potions. Alors en fait ça c'est les potions que vous pouvez dropper selon votre niveau. Donc moi j'ai le droit à 5 potions droppables. C'est-à-dire que je les ai pas sur moi, mais si elles tombent, j'ai le droit de les récupérer. Et après, plus que vous avez de niveau, plus vous pouvez avoir d'objets droppables. Après la marmite c'est un DLC, le lit pareil, la pipe c'est un objet secondaire. La boîte aux lettres pareil, c'est des objets secondaires. Enfin pas des objets secondaires mais comment dire, des objets que vous débloquez dans le niveau. Et le papy, Rux, ou Rux, je sais plus comment on dit, qui est en fait le narrateur, mais qui est également votre allié, votre seul vrai allié dans ce jeu, mais enfin vous faites tout, mais en gros c'est voilà, c'est la personne qui va narrer cette histoire. Et franchement je trouve très beau. Donc là on prend je sais plus comment ça s'appelle justement, mais c'est ce moyen de transport, je vais y arriver, qui nous permet voilà de voyager plusieurs. Alors vous avez deux types de niveaux. Les niveaux entraînement qui vont vous permettre de vous entraîner à l'arbre qui est choisi durant le niveau. Plus vous arriverez à battre un score, il y a trois paliers, donc on va dire bronze, argent et or quoi en gros. Et plus vous ferez un très très bon score, plus bah votre récompense sera plus grosse. Et les autres niveaux, donc c'est des missions à faire quoi, il y en a une tonne, un petit peu quand même, il y en a sympa. Et ces missions-là par contre sont pour l'histoire. Donc au début vous devez récupérer, je sais plus, des rouages, enfin bref, ça avance, il y a beaucoup de missions quand même. Sachant que le bastion est améliorable deux fois, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, la première fois vous allez devoir créer tous les bâtiments. Donc il y en a 6 si vous vous rappelez bien. Et la deuxième fois, vous allez devoir les améliorer. Alors personnellement j'ai vu aucune différence. Mais... Donc là j'ai choisi à faire une mission entraînement. C'était la première fois que je la faisais, je crois. J'étais pas trop mission entraînement. Enfin on va pas appeler ça mission entraînement, mais zone d'essai je crois que ça s'appelle dans le jeu. Donc voilà. En fait vous prenez l'arme en question qui vous êtes comment dire, je vais y arriver, qui vous est donné dans la mission, voilà c'est ça les mots que je cherchais, qui vous est donné et vous essayez de battre le score le plus rapide. Donc là j'ai le soufflet de feu qui est une sorte de, comment vous dire, vous savez dans la cheminée ce que vous utilisez, le petit souffleur, bah c'est ça, sauf que là à l'inverse de d'attiser les flammes, bah il en sort carrément. Donc voilà, et le but est de buter le plus de piqueurs là, c'est bon, des monstres en un temps record. Personnellement j'ai fait que de la merde, je suis vraiment nul dans les zones d'essai et c'est dommage parce qu'il en faut pour faire le succès. Donc bon, mais là je crois que je vais essayer de faire le plus possible, mais je vais pas y arriver. Enfin en fait le temps s'est arrêté mais j'avais pas vu. Alors moi comme un idiot j'étais ouais je suis en train de tous les battre, ça va être trop bien, mais au final non. Non, parce que j'avais déjà tout battu. Enfin, j'avais déjà. Voilà. Comme vous voyez, le temps restant est à zéro et depuis tout à l'heure, ça n'a pas augmenté. Donc voilà, après, je prends le Sky Bridge. Voilà. Alors, le Sky Bridge, c'est. Donc, en gros, pont. Pont ciel. Ciel-pont, ça veut rien dire. Enfin, bref. Sert durant les missions solo. C'est-à-dire que des fois, par exemple, vous devez aller d'une terre à l'autre et vous prenez le Sky Bridge. Et je crois que au bastion, ce que vous prenez c'est le Skyway, donc la route du ciel entre guillemets, qui justement vous permet d'aller dans toutes les missions solo que vous avez, ou les missions secondaires, ou les zones d'essai. Voilà, j'essaye de m'expliquer à peu près. Et après voilà, mon avis sur Bastion, franchement j'ai totalement adoré. J'étais pas... comment dire, j'étais pas trop chaud pour prendre le jeu de base.
Mais je me suis dit bon 4,99, bon, allez, je le prends, on verra bien. Je l'ai pris et franchement, au début j'ai eu peur parce que l'histoire était narrée et j'aime pas que ça soit dans les films. Surtout dans les films, je déteste qu'un film soit narré. Et dans les jeux vidéo, ça dépend du jeu. Mais au début je dis ouais, j'ai pas trop aimé. J'ai quand même joué parce que voilà, c'est quand même une somme et dire ouais non j'arrête. Non, j'ai quand même essayé. Et donc j'ai essayé, graphiquement je trouve très joli, j'adore quand c'est coloré comme ça, quand c'est du dessin, j'adore ça, c'est franchement bien. Le petit charme aussi c'est que le monde se forme sous vos pieds, voilà, truc comme ça. Mais franchement j'ai adoré, j'ai dit, graphiquement il est très très joli, j'adore. Et après niveau histoire, c'est un peu spécial, je sais pas comment vous dire, l'histoire est bien, l'histoire est logique, on va t'en dire, je sais pas trop si c'est bon ce que je dis, mais l'histoire est bonne, mais voilà, elle est pas non plus hyper accrochante, on arrive à suivre, mais voilà, mais le jeu reste vraiment sympa en lui-même, voilà, moi franchement j'ai pas regretté mon achat, c'est vraiment un petit jeu sympa, sachant aussi que le jeu ne se termine pas en une seule fois, du moins de ce que j'ai vu, parce que personnellement je voulais essayer de faire tous les succès. Et j'ai fini le jeu une fois, si je me rappelle bien, mais je n'avais pas encore tout, je sais plus pourquoi, il fallait encore des trucs, enfin bref, je crois que c'était mes niveaux, j'étais qu'au niveau 6, 8, enfin bref. Et donc au final, bah, j'étais obligé de recommencer le jeu, et que je n'ai pas fait pour l'instant, parce que je suis passé à plein d'autres petits jeux à côté, comme Chill of Light, je sais plus, enfin bref, il y a plein de jeux que je suis dessus en ce moment. Et donc j'ai pas été tout de suite dessus. Donc là, si vous avez bien suivi, en fait, c'est une autre zone d'essai où que là j'ai un lance-roquette, une arme que je déteste. Mais bon, je sais pas ce qui m'a pris dans la vidéo, je me suis dit allez hop, à la one again, essaye. Et en fait, le but est de niquer, enfin de battre les sacs à vent que vous voyez, donc ils ont des monstres en sorte de. Vous savez, comme le génie d'Aladin, moi il me fait penser à ça, enfin bref. Vous devez tuer les sacs avant qu'ils n'explosent toutes les stèles qui sont là, donc il y en a 6 je crois, ou 6 ou 7. Et là j'ai dû quitter parce que je me suis dit, bon j'y arriverai jamais. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, je crois qu'après la vidéo j'ai réessayé, j'ai réussi, je crois. Je vais pas dire une bêtise, mais je crois. Mais enfin bref, voilà, il y a plein de zones d'essai pour chaque arme. C'est assez difficile, franchement, enfin, du moins moi. Après peut-être ceux qui arrivent tant mieux. Moi franchement j'ai du mal avec les zones d'essai. Mais bon, donc là je retourne au Skyway pour retourner une autre mission. Je crois qu'on va faire la mission principale. On va pas faire tout, mais on va un peu voir pour vous montrer les monstres qu'il y a, parce que là les zones d'essai c'est sympa, mais bon voilà, c'est pas le jeu en lui-même. Parce que bon, les zones d'essai ça va être avec qu'une arme. Pour avoir les trois objets débloquables, c'est assez dur. Moi personnellement, j'ai eu un peu du mal. Sauf celui de l'arc, mais les autres, voilà. Donc ça, c'était une mission que je connaissais pas encore. Je venais de la découvrir. Donc heureusement, logique, j'avais pris mes armes de feu, hein, vu que c'était un monde glacé, je me suis dit, logique, je vais prendre le feu. Et donc là, vous voyez que le monde se forme sous vos pieds. Alors ce n'est pas le niveau qui fait ça, le jeu est comme ça. Le monde se forme sous vos pieds. N'ayez pas peur, c'est pas comment dire. Enfin voilà, la route quand même est bien voyante. Vous n'allez pas tomber parce que la route n'a pas été assez rapide à se former. Non, vous inquiétez pas, c'est bon. Des fois, ça se met pas tout parce que voilà, c'est comme ça. C'est le jeu est fait comme ça. Et franchement, j'ai bien aimé. Alors là, vous voyez que c'est écrit soigne. Vous pouvez avoir, je ne l'ai pas précisé, mais vous en doutiez tout à l'heure, je vous ai montré que à la distillerie, on pouvait avoir des potions, enfin des potions droppables. Et ben en fait, ces potions, on peut en choisir deux. En fait, il y a le tonifiant de santé que j'ai mis, qui donc vous permet d'augmenter votre santé, enfin de vous redonner des soins. Et l'autre qui est le, alors je sais plus, je crois que c'est le whisky. Enfin bref, qui va vous permettre de remplir votre mana. Alors la mana, c'est la magie, vous allez me dire oui et non, parce que là en fait c'est ce qui va vous permettre de faire votre attaque spéciale, tout simplement. Donc l'attaque spéciale n'est pas faisable tout le temps. Je crois que je la fais très, je sais même plus si je vais vous la montrer en vidéo, franchement j'y joue très rarement avec ça. Il y a aussi une autre arme qui est le bouclier que je vous ai pas fait voir, qui est très utile, et là que je crois que je vais regretter dans cette mission, justement parce que je vais vraiment avoir mal aux fesses, c'est vraiment chaud. Et la grenade qui va m'être très utile. Voilà, faut savoir aussi que ces monstres là sont les monstres les
dans les monstres les plus durs à battre. C'est les monstres de fin du jeu. Cette mission était la dernière du jeu, si je me souviens bien. Je vais pas faire toute la mission parce que justement vu que c'était la fin du jeu, voilà. Mais je vais en faire une petite partie. Et il faut savoir que ces personnes-là, les ninjas, là, ils ont un nom. Je crois que c'est les Uras, qui est en fait la race qui a disparu. Enfin bref, machin. Ça, faut suivre l'histoire. Mais vont pas me laisser voilà faire tranquillement et sont assez durs à battre et font beaucoup de dégâts. Heureusement, la santé, pour ceux qui se demandent, vous voyez que je m'en soigne très souvent. La santé est très faisable à retrouver, c'est pas hyper dur à trouver. Hein. Moi je crois que c'est à chaque monde, vu que c'est des mondes difficiles, je crois que chaque monde en donne une, mais je suis pas sûr. Là il vient d'en donner une et celui-là aussi. Donc vous voyez que c'est pas hyper dur à avoir. C'est pas tout le temps comme ça. Au début, c'est pas du tout ça. Vous avez plus du mal à en trouver des potions de santé, mais faut se dire aussi que les monstres sont largement plus faciles que là. Là, ils font très très mal. Très mal. Voilà. Je sais que j'ai blablaté beaucoup, mais en live, enfin, quand je suis pas en live justement, j'ai peur de pas avoir assez de temps, etc., etc. Mais de temps en temps, ça fait du bien de pas commenter en direct. J'ai pas à me prendre la tête sur ce que je fais à l'écran. Heureusement, je me rappelle, bah là, vous voyez que je suis mort. Alors oui, il y a des chances. À la base, il n'y a pas trois chances. Mais après, quand vous mourrez une fois, donc il reste deux chances restantes. Il y en a pas trois. Il faut savoir qu'il y en a qu'une. Et je crois que c'est parce que j'ai amélioré... je crois que soit que je me suis mis un objet sur moi, ou je sais plus quoi, mais enfin bref, ou alors c'est une potion qui m'a permis de faire ça. Mais il faut savoir qu'on a qu'une chance, donc il faut vraiment faire gaffe. Moi, personnellement, j'ai augmenté ce niveau de chance pour le DLC, mais après il m'a été très utile aussi durant cette mission là, parce qu'à la fin on a le boss de fin à battre qui est plutôt facile comparé au reste de la mission. Franchement c'était assez simplé, mais bon voilà, c'est quand même, j'étais un petit peu déçu sur le boss de fin, ça reste très charmant. Là ce qui le truc vert là, c'est un truc qui est horrible, il vous fait sortir des moi j'appelle ça Bob de Monster Company, il vous en fait sortir plein. Chaque monstre est différent, faut savoir qu'il n'y a pas tout le temps les mêmes monstres, à part au début avec les sacs avant, ce que vous avez vu tout à l'heure là, les sortes de génies. Mais après les monstres varient en fonction du niveau, ce qui est assez sympa, on voit pas, on n'a pas l'impression de faire tout le temps les mêmes monstres et ça change, franchement ça change, ça varie. Et c'est un point positif quand même que je trouve. Donc là je vais juste battre les derniers monstres et après on se quittera quand même sur une bonne petite vidéo de Bastion. Je voudrais essayer de vous faire montrer le plus possible. Le jeu était disponible à 4,99€, je pense qu'il est revenu à 14,99€ sur 360. Je sais, enfin j'espère ne pas dire bêtises, mais il existe sur PC. Après les autres consoles je ne sais pas, mais je pense qu'il doit exister aussi sur PS3. Je pense, j'espère. Mais en tout cas les amis, j'espère quand même que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner pour voir mes prochaines vidéos sur Assassin's Creed ou sur d'autres jeux. Mais en tout cas, ça m'a fait très plaisir de vous faire une vidéo sur ce jeu que j'adore totalement. Je vous conseille fortement. N'hésitez pas à mettre un j'aime si vous aussi ça vous a plu. Et puis bah, moi les amis, je vous dis geekez bien. C'était Shadow Nightmare. Et à une prochaine vidéo, j'espère très prochainement. Thank you.